Bienvenue ici, votre dernière semaine pour participer au concours là-bas. Avis aux intéressés. C'est là, je regarde. D'accord. Donc, c'est la dernière. Non, c'est là. OK, bon, j'ai une chance. N'a rien que des caméras ici. Donc, participer au concours, vous pourriez aller magasiner et gagner 200 CD. Et là, maintenant, j'aimerais cette semaine vous parler des albums de Danzig. Il y aura également Kula Shaker, Snoop Doggy Dogg et aussi Francine Raymond. Eh bien, mais. Ah, d'accord. Et pour commencer, ah, ici, il y a aussi Constipation de Prince. Oh non, Émancipation, pardon. Pour commencer, le nouveau disque de Rock Voisine, d'accord, qui s'appelle Kissing Rain. Et ça, c'est l'album qui va faire de lui une superstar aux États-Unis. D'ailleurs, il demeure en Californie depuis quoi, 2 ans, ce qui est une bonne attitude à prendre quand même si on veut percer aux États-Unis, parce que c'est pas facile. Malgré que Céline n'a pas été restée aux États-Unis pour percer là-bas. Et aussi, il y a eu un gros tapage, bien sûr, lorsqu'il a signé son contrat de disque avec la maison BMG, à quoi, 2 ans et demi à peu près de ça. Donc, là, on s'attend à une bombe de notre ami Rock Voisine, mais c'est plus comme un pétard à mèche mouillée. Ça ressemble vieux style 1983. Moi, je trouve qu'il chante comme un peu Anne Murray. Ça me fait penser à ça, à Neil Diamond, Richard Marx aussi, qu'on retrouve sur l'album. Mais le problème, c'est que ça pogne plus ce monde-là, comprenez-vous. Si vous regardez sur le palmarès aux États-Unis, au Canada, il n'y a plus personne dans ce genre-là. C'est comme un style carrément du passé. Au moins, ça ressemble plus à Elton John. Son album anglais précédent, on dirait que chaque tune s'est inspiré de tune d'Elton John. Donc, et un autre problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de style personnel. N'importe qui pourrait chanter les tunes qui écrit. Et vous allez dire, ouais, Céline Dion aussi, n'importe qui pourrait les chanter, mais Céline Dion, elle a une voix, elle a une présence, elle est vraiment extraordinaire. Lui, il a une voix correcte. Il chante bien, mais c'est pas la fin du monde. Au niveau réalisation, c'est une collection de réalisateurs de la Californie, une collection de has-been. C'est correct comme réalisation, mais laissez-moi vous dire qu'on fait aussi bien ici au Québec. J'ai trouvé ça très fade comme réalisation. C'est correct, là, mais rien de plus. C'est une collection de chansons très facilement oubliables, un album absolument très ordinaire. Et comparé à la machine qui a lancé Céline aux États-Unis, ici, là, est un PC qui a une roue avec un gros flat. Comme cote 5 sur 10, voici un extrait de Kissing Rain.